Solution, j'espère que vous allez très très bien. Moi c'est Mickaël. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo comme c'est marqué dans le titre, astuces déco dans Minecraft avec le pack urbain. Je suis accompagnée de Tom 200022110 et je vais dire les résultats pour la vidéo laquelle tu préfères. Enfin bon, je sais plus c'est quoi trop le titre. Mais du coup, laquelle tu préfères, laquelle tu préfères, merci Tom. J'ai fait une dédicace à Tom, puisqu'il a mis un commentaire, comme j'avais dit dans la description de la vidéo. Et puis son pseudo YouTube, c'est Sierre. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, voilà. Bon, on va commencer par le petit tuto. Comme vous voyez, j'ai changé de skin. Ouais, j'ai un skin bizarre. Bref. Je le fais moi dans un petit environnement. Par exemple, je vais faire l'astuce déco dans l'appartement de Tom. Je fais cette astuce déco dans un tout petit appartement. Déjà, il vous faudra de la planche de chêne, du bloc de quartz, de la peinture. Ah oui, j'ai changé de comment ça s'appelle, de pack, comme vous pouvez le voir. Là on rentre, on va mettre une cuisine ici, du coup on vous aurez besoin de la trappe en bois, d'un four, planche de détection. Des boutons. Et déjà on va se baser avec ça. Du coup, et vous aurez besoin aussi de de planches de chêne, ça ira. Ici, on va mettre un four ici. Et là ici on va mettre un espace. Alors si vous voulez que ce soit un four avec une trappe, vous mettez une trappe. Moi je mets pas de trappe puisque voilà. On va mettre comme ça. Alors vous allez dans Reston et Transport, planche de détection, et vous allez prendre rail déclencheur, un levier et un crochet que vous allez remplacer par la trappe en bois. Alors vous allez vous mettre, vous allez appuyer sur R3. Vous allez poser ça là, voilà. Là ici, vous allez mettre un levier que vous pouvez mettre là. Je sais pas si ça allume. Ça n'a pas l'air d'allumer. Oula. Vous mettez ça là. Voilà, là vous avez un four déjà qui s'allume. C'est pas mal du tout. Après vous allez... moi je vais réparer ce que je viens de faire. Là déjà vous avez un four avec qui s'allume. Ensuite vous allez prendre... vous allez prendre... je cherche l'entonnoir, voilà. Un entonnoir. Vous allez poser l'entonnoir. Non. Vous allez poser l'entonnoir ici. Vous allez remplacer ça par planche de chêne. Voilà. Je suis aussi accompagnée de Dume 2005. Voilà. Après maintenant vous êtes au courant que je suis accompagnée de plusieurs personnes. Là du coup on a notre robinet, notre entonnoir. Alors, on a plein qui mettent un chaudron, mais j'aime pas trop puisque le chaudron en fait on peut mettre de l'eau et ça fait genre qu'on peut pas enlever l'eau. Enfin voilà. Après chacun ses goûts. Déjà on a notre cuisine. N'hésitez pas à faire comme ça. Ici en haut, vous allez reprendre
les trappes en bois. Vous allez faire ça. Et si vous voulez, bien sûr, vu que la bibliothèque, ça a le même fond que de la planche de chêne, vous allez remplacer par la planche de chêne. Hop là, et comme ça après ça se camoufle. Ah bah voilà, je vais prendre un livre pour les recettes, voilà. What? Ici, le canapé, tout le temps avec de la laine rouge, avec dalle de quartz. Tac. Tac, on le laisse assez raisonnable. Ici, vous allez faire tac. Et tac, bien en face des accoudoirs de votre télé. Vous allez faire tac pour votre meuble de télé. Et c'est là où vous aurez besoin d'une peinture que vous allez poser là. Alors bien sûr, si vous êtes dans le pack urbain, vous pourrez faire spawn un écran plat. Oups, j'ai pas fait exprès. voilà. Et crotte, la télé n'est pas droite. Non, on va faire ça. Là. Ah bah la télé n'est toujours pas droite. Bon, vu qu'elle est un peu difficile à faire spawn, on va tout simplement décaler. Pardon. J'ai un petit canapé comme ça, c'est suffisant. Ici, vous allez prendre barrière en chêne. Vous allez mettre de la glowstone. Oups. Bon, je crois que Tom va être ravi de voir son appartement comme ça. Je dis pas que je suis le plus beau décorateur, non, c'est pas ça. C'est juste que je dis quand même qu'il va être assez ravi car c'est pas mal, je trouve. Pour ceux qui n'aiment pas ça, que les enceintes ressortent comme ça, moi je vais faire ça. Hop là. Voilà. En plus, c'est des enceintes fonctionnelles. Je veux dire, c'est pas mal. Après, dans, vous voyez, dans un petit environnement, on peut faire quand même des décos très très belles. Ici, c'est là où il y aura votre chambre. Tout ce qui est salle de bain, ça sera dans un prochain tuto, dans le tuto numéro 2, astuce déco. Voilà, ça presse au milieu. Bien sûr, moi, dans toutes mes maisons, ça sera en bloc de quartz ou des fois en bois. Et en tout cas, ça sera souvent... Oula. En bloc de quartz. Là, vous voyez déjà juste avec 4 glowstone, on peut éclairer déjà toute la salle. C'est pas mal. Après, pour ceux qui veulent améliorer leur sol, soit vous changez le sol. Moi, c'est des blocs de quartz et j'ai pas le droit de changer vu qu'on est dans un immeuble car après ça va déranger ceux d'en dessous. Enfin, ceux d'en dessous. S'ils veulent pas, par exemple, cette couleur en plafond, enfin voilà. Après, vous mettez tout simplement des tapis et ça règle tout. Alors, vous allez prendre une dalle de chêne, un lit. Là, on va se baser sur ça. On va, pardon. Pardon. Tac, tac. On commence avec ça. Je me suis trompée en fait. Voilà, on monte. Et ici, pour la petite touche spéciale de l'OLMDR ou de Super Solution, je sais pas quel pseudo vous préférez, pardon. Si on va mettre de la glowstone, faire un peu de lumière qui ressort. Ici, on va mettre de la peinture. Bon, bah, là, non, ça fait plutôt assez peinture, ça fait pas assez télé. Bon, ça, on pourrait dire que c'est une télé. Bon, moi, je dis que c'est une télé. Après, vous vous imaginez tout ce que vous voulez. Moi, je dis que c'est une télé. Et ici, pour la touche spéciale, l'Olender. Alors,
Il nous faut dans décoration feuilles de chêne. Je sais même qu'on va mettre ça. Ouais, bien sûr, vous pouvez mettre ça. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Ici, on va mettre une petite étagère. Non, là, l'étagère, elle prend trop de place. Bah, déjà, j'espère que cette petite astuce déco d'appartement ou de ce que vous voulez, enfin, un petit environnement, vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ou sinon, comme d'habitude et comme tout le temps, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye tout le monde.